Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'obtenir des lingots à l'Asilagone. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir vous faire, c'est de vous rendre à l'Asilagone qui est juste ici. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre dans les maisons. Parce que dans les maisons, vous allez pouvoir trouver des lits et les lits peuvent vous donner des lingots d'or. Donc bien entendu, les coffres vous donnent des lingots d'or, les lits aussi peuvent vous en donner et les fauteuils de personnes, donc les gros fauteuils. Donc là, il n'y a pas de lit. Ah ben, il y a un coffre, hein. Regardez, je vais prendre le coffre juste là. Hop, je prends le coffre. Et là, ça m'a pas donné de lingot. Non, ça m'a pas donné de lingot. Donc apparemment, tous les coffres ne nous donnent pas de lingot. J'ai jamais capté ça. Mais ok, c'est pas grave. Là, on va aller voir en bas. Ici, il n'y a rien. Il y a un coffre encore plus bas. Ouais, il y a un coffre en bas. On va casser le sol. On va voir si ce coffre-là me donne des lingots. Voilà, celui-là me donne des lingots. Donc il me donne 9 lingots. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'obtenir 100 lingots dans les Asilagone. Il ne faut pas les obtenir ailleurs que les Asilagone. Donc là, regardez, il y a un lit. Ce lit-là, quand je vais le casser, ça va me donner des lingots. Donc regardez. Ah, bah non. Tiens donc, c'est étrange. D'habitude, les lits, ils les donnent. Enfin, pas tous les lits, mais certains lits, ils les donnent. Donc je vais essayer de trouver un lit qui m'en donne. Là, j'ai encore obtenu 9 lingots d'or. Après, bien entendu, si vous tuez des adversaires et que vous obtenez leurs lingots d'or quand ils les laissent tomber par terre, dans les Asilagone, ça compte aussi. Hein. Là, je vais essayer de trouver un lit qui me donne des lingots d'or parce que ça me semble bizarre. Donc là, un coffre légendaire, là, ça vous donne 26 lingots d'or. Donc là, vous êtes bien. Il y a aussi des coffres forts hein, dans les Asilagone. Mais bon, il faut avoir la chance de tomber dessus. Mais là, je vais chercher le lit comme je vous le disais tout à l'heure. Ok, donc là, il y a un lit, on va voir. Regardez, voilà, le lit là m'a donné des lingots d'or. Donc en fait, tous les lits ne donnent pas des lingots d'or, mais voilà, apparemment, certains en donnent et d'autres non. Avant, c'était tous les gros lits de 2 personnes, ils donnaient tous des lingots d'or. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et aussi, il y a des gros fauteuils, mais je pense que les gros fauteuils, vous n'en trouverez pas à l'Asilagone parce que, ben voilà, c'est assez ancestral, hein, c'est l'époque des pirates, donc voilà. Dès que vous aurez obtenu 100 lingots d'or à l'Asilagone, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao, peace.